sur le site de la quasi-paroisse Saint-Thomas dans le diocèse de Yopougon. Tout le monde est invité à se tenir debout pour accueillir la procession d'entrée. Mesdames et messieurs, merci de vous disposer depuis vos différents points géographiques pour vivre pleinement cette célébration eucharistique teintée d'une grande festivité, teintée d'un grand événement célébré ce jour, le jubilé d'argent sacerdotal du révérend père Jacques Agnès. En ce moment même, vous pouvez constater l'entrée des pères célébrants. Cette messe est animée par le chœur Una Voce et les alliés. Una Voce, un chœur, une chorale aujourd'hui qui a été fondée par l'élu du jour, le révérend père Jacques Agnès.
cet esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. À présent, la nouvelle du jour. Nous écoutons à présent M. Akka Kofi, le président du conseil d'organisation, pour le mot de bienvenue et la nouvelle du jour. Monseigneur, Monseigneur Donatien Gessenlao, vicaire général du diocèse de Yopougon, représentant son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lozutier, évêque du diocèse de Yopougon. Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de la société. Monseigneur Emmanuel Weyne, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Révérend Père, révérende Sœur, frères et sœurs en Christ, chers invités. Quelle grande joie pour nous, fidèles paroissiens de Saint Thomas, de vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaiter également la bienvenue dans notre paroisse. La moisson abonde, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le maître de la moisson décide alors d'accroître l'effectif de ses ouvriers à sa moisson. Le 14 juillet 1996, il appelle alors l'un des nôtres à recevoir le sacrement de l'ordre. Aujourd'hui encore, 22 août 2021, le Seigneur Dieu nous appelle à le rencontrer en sa maison. Nous, fidèles paroissiens, profitons de ces appels pour offrir en action de grâce au Seigneur cette célébration eucharistique pour lui témoigner notre reconnaissance pour les dons de grâce qu'il multiplie en chacun et en chacune. C'est avec joie que, cher Père évêque, révérend Père et révérende Sœur, éminents invités, nous avons sollicité et obtenu votre présence parmi nous en ce jour pour commémorer l'événement de votre portée spirituelle, l'ordination d'un des nôtres 25 ans après son avènement. Nous en sommes honorés et soyez-en remerciés. Qu'il me soit donné l'opportunité de décrire de manière succincte le parcours de celui que le Seigneur Dieu, dans sa grande bonté, nous a donné comme prêtre de Jésus-Christ. J'ai nommé le révérend Père Jacques Agnus. Ordonné prêtre de Jésus-Christ le 14 juillet 1996 à la paroisse Saint-Laurent de Couté, le Père Jacques Agnus fut affecté en qualité de vicaire à la paroisse Saint-Charles Boronimé d'Azopé de septembre 1996 à septembre 1998, puis à la paroisse Saint-Martin d'Acoupé de 1998 à 2000. Son amour pour les chants sacrés le conduit en mission à Bandoukou de 2000 à 2002 en qualité de directeur de la maîtrise du diocèse. De retour dans son diocèse d'origine, diocèse de Yopougon, le Père Jacques Agnus exerce respectivement les fonctions de vicaire à la paroisse Notre-Dame de Lepou de 2002 à 2004, curé de la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville de 2004 à 2005 et enfin vicaire à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Yopougon-Jesco de 2005 à 2007, aumônier diocésain du renouveau charismatique.
Les études pastorales et musicologiques le conduisent à l'Université Laval à Québec, au Canada, de 2007 à 2010. De retour en Côte d'Ivoire, le père Jacques Agnès exerce les fonctions de curé à la paroisse Saint-Timothée de la cité EECI Niangon de 2010 à 2016. Responsable diocésain des chants sacrés, son amour pour la technique des chants le conduit à Marseille en France pour une formation en technique de son, animateur de radio et arrangeur de 2016 à 2018. Depuis septembre 2018, administrateur de la quasi-paroisse Saint-Thomas, responsable des chants sacrés, responsable du renouvellement du chanton Le Seigneur province ecclésiastique plutôt d'Abidjan. Grand bâtisseur qui a construit Saint-Timothée en un laps de temps. Grand bâtisseur également et visionnaire qui nous a trouvé ce terrain de 2000 carrés qui nous accueille ce jour. Voici présenté brièvement le parcours de celui que nous célébrons ce jour. Révérend Père, vos parents anciens implorent sur vous la bénédiction du Tout-Puissant, afin que lui-même qui vous a choisi pour travailler dans sa plantation de vignes continue de vous porter dans ses bras. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu au cours de cette célébration eucharistique pour toutes les merveilles qu'il fait en chacun et en chacune. Bonne célébration eucharistique à chacun et à vous tous. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le mot de bienvenue ainsi que la présentation de l'élu du jour. À présent, notre célébration eucharistique se poursuit avec l'intervention du Père Jacques Agnès. Servir avec amour le Seigneur et le Seigneur seul. Le prêtre que je suis, frères et sœurs, est un chrétien qui, par l'imposition des mains au moment de l'ordination par l'évêque, reçoit la mission de rendre présent le Christ parmi les hommes en célébrant l'Eucharistie, en pardonnant les péchés, en instruisant et en guidant le peuple qui lui est confié. Depuis 25 ans, je me suis laissé conquérir par le Christ, unique prêtre de la Nouvelle Alliance. Malgré des difficultés rencontrées dans mon sacerdoce, j'ai porté avec amour ce regard et mon cœur vers son cœur. Aujourd'hui, vous êtes venus nombreux d'ici et de partout pour m'aider à relire au fil des souvenirs une histoire imprégnée de charité. Avec allégresse, aidez-moi, Excellence, Révérend Père, Révérende Sœur, chers frères et sœurs, à rendre grâce au Seigneur, à célébrer le sacerdoce, l'amour du cœur de Jésus. Nous allons écouter le chant d'action des grâces composé par le Père Jacques. Le sang, c'est bon, c'est bon.
grâce, exécute. La messe que nous célébrons est la messe propre pour le prêtre lui-même. Nous la poursuivons avec le rite pénitentiel qui consistera en la bénédiction de l'eau et en l'aspersion. Cette fête est une fête du sacerdoce. Nous la vivons, nous fait voir que tous, par le baptême, nous sommes participants du sacerdoce commun, quand certains, à un titre particulier, participent au sacerdoce ministériel. En souvenir de notre baptême et en signe de pénitence, nous vivons cette action liturgique. Veuillez vous lever. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel est tout puissant. Tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle à nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as donné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu, où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Après la bénédiction de l'eau mêlée du sel, le peuple de Dieu va en être aspergé.
sans nous purifier de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rendez de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in divino pas omnibus, univolumitati. Launamus te, benedicimus te, adoramus te. Puisque ce jour me rappelle que tu m'as toi-même associé à l'unique sacerdoce du Christ et mis au service de ton Église, donne-moi la force d'annoncer l'Évangile avec foi et humilité pour guider mes frères vers ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Après les rites d'ouverture, s'ouvre à présent la liturgie de la parole. Le propriétaire de la Toyota rouge immatriculée 1264 FG01 est prié de déplacer son véhicule. La première lecture, la seconde et la proclamation de l'Évangile. Au cœur de toute célébration dans l'Église se trouve la parole de Dieu qui lui donne sens. Lorsqu'on lit dans l'Église la Sainte Écriture, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple et c'est le Christ présent dans sa parole qui annonce l'Évangile. Chaque fois que rassemblés par l'Esprit Saint dans la célébration liturgique, l'Église annonce et proclame la parole de Dieu. Elle se reconnaît comme le nouveau peuple de l'Alliance,
scellé autrefois, atteint finalement sa perfection et son achèvement. Cette parole de Dieu proclamée dans la célébration des saints mystères n'atteint pas seulement la réalité présente, mais elle se réfère au passé et regarde vers l'avenir, annonçant que le Christ est la parole définitive du Père aux hommes pour les éclairer. Alors, la voix du Père se fait entendre encore aujourd'hui. Il nous dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur, écoutez-le. » C'est tout le sens de cette procession qui vient faire trôner le livre des évangiles au cœur de notre assemblée. Veuillez vous mettre debout et accueillons le Seigneur qui vient nous parler. Saluons-le et professons notre foi en chantant. Il est
Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de Josué, chapitre 24, versets 1 à 2, 15 à 17 et 18. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis, il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Oh,
ce malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 32. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église.
Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Vous asseoir. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : cette parole est rude, qui peut l'entendre ? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Après les lectures des textes bibliques du jour, nous allons assister à l'homélie. Une homélie qui sera faite par Mgr Jean-Baptiste Aquadon, chapelain de sa sainteté.
Écoute en ce jour, Seigneur, ton prêtre Jacques, Agnès, qui te présente en sacrifice d'action de grâce ce que toi-même as permis qu'il soit, un prêtre qui s'est efforcé de servir 25 années durant ton sacerdoce à toi, car tu n'aimes recevoir de l'homme que ce qui vient de toi. Daigne écouter le murmure de son cœur qui te dit merci. Il est ton serviteur qui te dit toute sa reconnaissance de lui avoir toujours manifesté ta fidélité, ta fidèle amitié, la fidélité de ton regard d'amour et de miséricorde posé sur lui depuis le sein de sa mère. Il voudrait encore, et pour tout le reste de sa vie de prêtre en ce monde, pouvoir prendre conscience de ta présence dans sa vie et se laisser transformer par cette présence si vraie et si réconfortante. Prends pitié de lui, Seigneur, toi qui l'appelles chaque jour. Amen. Frères et sœurs, vous m'excuserez de le maintenir qu'à ces deux mots qui traduisent, à mon sens, toute la vérité de notre assemblée, car tous, quel que soit ce que nous sommes ou ce que nous avons, nous sommes sous le regard d'un unique Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, par sa passion, sa mort et sa résurrection, nous a permis de devenir des fils d'adoption et de prédilection. Tous, nous ne sommes donc sur terre que des frères et sœurs, unis par le lien de la foi et de la charité fraternelle. De même, mes frères et sœurs, chrétiens et hommes de bonne volonté, même si vous ne me connaissez pas, même si je ne connais pas nommément chacun de vous ici présent, nous nous connaissons tous, vu notre appartenance commune à la même Église, fondée par la même personne, Jésus-Christ, venu rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. C'est donc parce que nous partageons la même foi et la même espérance et que nous vivons unis par le lien de l'amour et de la charité que nous sommes, que nous nous connaissons tous. Aujourd'hui, votre prêtre Jacques, Agnès, rend grâce à Dieu pour ses 25 ans de sacerdoce ministériel, sacerdoce de service, son jubilé d'argent sacerdotal. Le jubilé, qu'est-ce que c'est? Le jubilé est un temps de grâce, de grande allégresse et de grande joie, découlant de la reconnaissance des bienfaits, des grâces de Dieu envers une nation, un peuple, une personne humaine. Qui dit reconnaissance, dit offrande à Dieu, maître des temps et de l'histoire, de son temps et de son espace, ce qui suppose un arrêt. Ce qui suppose qu'on s'arrête un moment pour proclamer les louanges de ce Dieu
comme nous le faisons en ce jour. Le jubilé intervient tous les 25 ans d'une vie et Dieu, à qui ce temps est consacré, ouvre toutes grandes les écluses de son ciel, les portes de son ciel, pour déverser en abondance sur les bénéficiaires les grâces de ses indulgences. C'est pour cela, c'est de plus fine qu'on appelle chez moi un foufian, c'est-à-dire les grâces que Dieu répand sur chacun de nous en ce jour de jubilé. Permettez-moi avant tout de m'adresser à Jacques, l'heureux serviteur de Dieu au milieu de son peuple, l'heureux bénéficiaire du regard compatissant et bienveillant de Dieu en ce jour. Jacques le Majeur, fils de Zébédée, frère de Jean, décapité à Jérusalem et enterré en Espagne à Compostelle, ou Jacques le Mineur, fils d'Alphée, lequel des Jacques? Tu m'as dit Jacques le Majeur. Et moi je dis Jacques Agnès de Panda. Le griot de la célébration du mystère de la rédemption. C'est toi, Jacques. Mon frère Jacques, Dieu t'a fait artiste de la bonté sans ombre de son amour. Qu'est-ce à dire? La chorale pourrait chanter « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Tous debout, nous chantons avec la chorale Goûtez et voyez. Ensemble, goûtez et voyez. Comme est bon le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Oui, qu'est-ce à dire? Il sait qu'en te faisant entendre sa voix dans le fond de ton cœur, depuis le sein de ta mère, en t'appelant au sacerdoce, tu accepterais de te mettre à la suite de son fils. Et comme Paul, comme Jean le Baptiste, et comme Jacques le Majeur, ton saint patron, tu t'y lancerais sans ménagement, poussé par un seul désir au cœur, celui du Christ lui-même, qui a dit, tu m'as fait un corps, et j'ai dit, je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Oui, je viens pour redonner à ton peuple, pour t'aider à donner à ton peuple, dans sa marche à ta suite, le bonheur de goûter à ta beauté et de voir comme tu es bon. Oui, que ton peuple goûte avec moi et voit avec moi comme tu es bon, lui qui est, toi qui es Seigneur. Oui, Jacques, le Seigneur Jésus t'a établi intendant de ses mystères, ou mieux, son intermédiaire, pour qu'à travers toi, il ramène à son Père, sans n'en perdre aucun, son peuple acquis par le partage de sa chair, donné en nourriture pour que le monde ait la vie, et par le don de son sang,
versé pour la rémission des péchés. Il a fait de toi le dispensateur de ses dons ineffables, c'est-à-dire serviteur de l'unique sacerdoce, son sacerdoce à lui, qu'il a exercé dans la souffrance, dans la mort et dans la résurrection. C'est pour toi, c'est pourquoi, Jacques, chaque fois que tu célèbres, son corps est partagé pour la vie des hommes. Chaque fois que tu célèbres, comme il t'a appelé à le faire en son nom, en mémorial de lui, le sang jaillit autrefois de son cœur et versé, devenant un fleuve qui va en grossissant pour laver, purifier, blanchir, effacer les péchés de l'humanité. Oui, le pain et le vin, Jacques, de chaque Eucharistie que tu célèbres, deviennent entre tes mains, don de Dieu, pour la vie du monde, la vie du monde. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains, don de Dieu, pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains, don de Dieu, pour la vie du monde, la vie du monde. Oui, sachant que le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, Jacques, tu as accepté toutes les situations angoissantes que le Seigneur t'a préparé pour que tu les vives, afin de te montrer, comme à Saint Paul, ce qu'il t'a fallu souffrir pour lui durant ces 25 années, afin d'être digne de servir son sacerdoce. Les multiples accidents. Je disais à un ami, tu ne sais pas conduire. Dormir accidentellement en pleine forêt enfermé dans sa voiture. Il fallait le faire, avec la peur au ventre, mais la foi en la Vierge Marie. Incompris par son évêque, te faisant un faux procès devant de dures réalités qui te pourfendaient le cœur. Critiqué par tes confrères, contraint à la prudence silencieuse et humiliante. Tout cela, le Seigneur les a préparés pour que tu les vives, pour qu'il te montre ce qu'il faut souffrir si tu veux le servir. Mais il te forgeait ainsi à l'humilité pour être un bon et fidèle pêcheur d'hommes et un animateur chevronné de la pureté de sa louange. Voilà pourquoi tu lui dis merci. Aujourd'hui, tu fais le bilan de tes 25 années et tu te rends compte que le Seigneur a toujours été présent à toi. Lui qui a dit qu'aucun cheveu de notre tête ne tomberait sans que le Père des cieux ne le sache. Tu as accepté toutes ses faiblesses pour être fort, pour plaire au Seigneur. Quelle merveille Dieu a fait pour toi, saint est son nom. Merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveille, merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas. C'est ainsi, Jacques, que le Seigneur, ton Seigneur Jésus,
t'a transformé durant ces 25 années pour que par toi, il ramène son peuple de pécheurs à son Père. Oui, par toi. C'est bien par toi qu'il continue d'exercer son sacerdoce. C'est par toi qu'il enseigne son peuple. C'est par toi qu'il gouverne son peuple, qu'il sanctifie son peuple par les sacrements, en l'occurrence l'Eucharistie. Tu es l'agent du sacrement de sa présence au milieu et pour le salut du monde. Ce monde ne peut se tourner vers son Créateur que si le peuple de la Nouvelle Alliance assume son propre sacerdoce, particulièrement dans sa participation au culte divin. Et il n'y a pas meilleure participation active et parfaite que celle qui s'exprime par le chant et l'appropriation par le Amen. Ainsi seulement, dans l'Eucharistie, se révèle l'expression la plus sublime de la vérité de l'amour de Dieu qui vient nous élever et la grandeur de l'amour de la vérité de la louange des créatures qui monte vers la gloire de la Trinité Sainte. Et je comprends. Je comprends pourquoi tu te lances à corps perdu dans l'éveil de la conscience spirituelle, religieuse, liturgique, culturelle et cultuelle de tes frères et sœurs chrétiens à la nuque raide, certes assoiffé de savoir, mais si négligent dans la mise en œuvre de l'acquis. Je prends un exemple. Je ne sais pas si cet exemple est valable pour la communauté de Saint Thomas. Quand le prêtre chante la prière ou dit une prière et qu'on doit tous dire Amen, la plupart des chrétiens ne disent pas Amen. Ça veut dire je ne me reconnais pas dans tes prières. C'est ça que ça veut dire lorsqu'on ne dit pas Amen. Lorsque le maître de chœur ne se préoccupe pas de faire chanter le Amen pour que le peuple de Dieu communie avec la chorale, cela veut dire que on n'est pas concerné. Un autre exemple, il est écrit dans le livre pour la partie la plus sublime de la messe, le Sanctus, il est écrit Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Mais nous, qu'est-ce que nous chantons? Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Nous n'avons rien compris. Mais je sais qu'à Saint Thomas ici, avec Jacques, on chante Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. On l'acclame, on crie, on pousse des cris de joie, on dit sa louange. Mais ailleurs, Saint, 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 Saint. Il y a quelqu'un qui porte ce nom. Saint, Saint, Saint. Mais en quoi est-ce que ça ressemble à Saint, Saint, Saint le Seigneur? C'est tellement beau la liturgie quand elle est vécue dans sa plénitude. Jacques, je pense que tu ne diras pas le contraire. Jacques, tu as été également non seulement artiste de Dieu dans le chant et la liturgie, mais un bâtisseur d'église et de communauté de foi et de charité. Tu as dû remarquer que le Seigneur t'a toujours envoyé là où il y avait quelque chose à bâtir, à relever, à achever. C'était lui le grand artisan, le grand compositeur, le grand organisateur. Quelle chance que tu as, que Dieu t'ait associé à son œuvre de rédemption
accompli par son Fils et dont il t'a demandé d'accepter de partager à tous les effets salutaires par la célébration de l'Eucharistie et d'en conserver le trop plein de grâce dans 12 corbeilles qui signifient la pastorale. Quelle grâce! Aujourd'hui, Jacques, puisses-tu bénir son saint nom dont il t'a marqué selon son dessein. Chers frères et sœurs, le Père Jacques Agnès a choisi de servir le Seigneur durant ses 25 années. Il nous a conviés à ce jour, à cette Eucharistie, pour nous associer à son action de grâce, en reconnaissant l'amitié de Dieu qui ne lui a jamais fait défaut et que Jésus-Christ lui-même lui manifeste quotidiennement dans une fidélité sans faille. Et vous, mes frères, qui voulez-vous servir? Les dieux du monde, l'avoir, le pouvoir, l'idolâtrie, ou le Seigneur de Jacques Agnès, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Alors je vous pose encore la question, qui voulez-vous servir? Vous ne répondez pas, vous ne voulez servir personne, vous voulez vous servir vous-même? N'ouvrez pas trop vite la bouche parce que Dieu est au ciel, nous sommes sur terre. Si vous dites oui, alors servez le Seigneur. Si vous dites non, alors retournez dans le monde. Qui voulez-vous servir? Servir le Seigneur, vous savez ce que c'est? Servir le Seigneur dans le mariage, vous savez ce que c'est? Servir le Seigneur quand on est ministre, vous savez ce que c'est? Servir le Seigneur quand on siège à l'Assemblée nationale, vous savez ce que c'est? Servir le Seigneur quand on est étudiant et qu'on a des difficultés à passer ses examens, vous savez ce que c'est? Servir le Seigneur. Accepter la vie éternelle qu'il nous donne lorsque nous mangeons son corps et buvons son sang. C'est gratuit, nous dit le prophète Isaïe. Venez manger sans argent, sans rien payer. Et Jésus nous supplie, je vous en supplie, mangez ma chair, buvez mon sang, c'est votre vie éternelle. Son bien-aimé disciple Saint Jean ne nous a-t-il pas enseigné que celui qui dit servir le Seigneur et qui ne garde pas sa parole, qui nous presse de manger sa chair et de boire son sang pour avoir la vie est un menteur? Notre vie humaine transfigurée et divinisée dépend de la réception du don précieux que Dieu nous fait gracieusement. Mais nous sommes un peuple à la tête dure, à la nuque raide, puisque nous refusons, par notre insouciance et notre inconscience, comme les cinq vierges de l'Évangile, de vivre sans nous soucier de recevoir ce précieux secours de Dieu qui ne veut que notre bien, vivre sans nous soucier le moindre du monde de notre vie éternelle, cela n'est pas servir le Seigneur. Certes, mes frères et mes sœurs,
nous sommes faits de chair. Mais si la chair, nous dit-il, n'est capable de rien, sinon qu'à nous entraîner au péché, au mal, il n'y a que l'Esprit seul qui donne la vie. Or, la vie et l'Esprit se trouvent dans la parole de Jésus-Christ. Les paroles de Jésus sont esprit et vie, parce que Jésus lui-même est la parole de vie, dont les paroles communiquent l'esprit et la vie éternelle. Il dit lui-même, « Je suis le chemin », c'est-à-dire la parole, la vérité et la vie. C'est ce qu'il révèle de lui-même. Garder cette parole, c'est vivre sur terre une vie calme et paisible, qui, comme dit Saint Paul aux Romains, se transforme en vie éternelle. Et je voudrais, mes frères et mes sœurs, que vous me permettiez de vous expliquer quelque chose. Ce qui est propre à notre foi catholique. Je dis bien notre foi catholique. Et pour lequel Jacques, votre curé Jacques, s'est fait prêtre. Ouvrez bien vos oreilles et puis entendez. La réalité de l'Eucharistie, c'est-à-dire la réalité de la messe que nous célébrons, signifie et produit la réalité devant laquelle, c'est-à-dire la réalité devant laquelle l'Eucharistie, c'est-à-dire le rite que nous célébrons et voyons de nos yeux s'efface entièrement, et ce qui reste, ce qui est la réalité profonde, ce pourquoi Jésus est venu, c'est l'incorporation croissante du chrétien au Christ. Que le chrétien devienne petit à petit un autre Christ, devienne corps du Christ, participe au corps de Jésus-Christ. Le chrétien, tous les chrétiens, dans le même et unique Jésus-Christ, c'est la vie du Christ qui est en eux, comme une extension de son être, comme si le Christ s'étendait pour que chaque chrétien y entre pour vivre de sa vie, comme le bébé qui est dans le ventre de sa mère. Voilà ce que le Christ est venu faire. Il est venu nous prendre pour que nous soyons les enfants de son Père. Il est venu par l'Eucharistie faire de nous des enfants que son Père va mettre au monde, vivre de la vie même de Jésus-Christ. Et le repas du bébé dans le sein de sa mère, c'est tout ce que sa mère lui donne à manger. C'est l'Eucharistie, c'est le pain, c'est le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Le chrétien n'a d'autre vie que la vie du Christ. Le bébé n'a d'autre vie dans le sein de sa mère que la vie de sa mère. Voilà les merveilles que Dieu fait pour nous. C'est tout ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous reprendre pour que nous devenions des bébés pour Dieu, des enfants pour Dieu, des hommes pour Dieu. Et nous nourrit de la nourriture de Dieu qui est l'Eucharistie. Et refuser l'Eucharistie, ne pas manger le corps et le sang du Christ, mais c'est refuser la vie du Christ. Et ces chrétiens sont comme des zombies qui traversent le monde sans savoir où ils vont. Mais le chrétien responsable, le chrétien réellement chrétien, c'est celui en qui le Christ habite permanemment et le Christ le transforme chaque jour. Voilà notre réalité. Voilà pourquoi nous venons à la messe. On écoute sa parole et on se nourrit de son pain, de sa chair, de son sang, pour devenir lui-même dans le monde, pour porter sa vie dans le monde, pour que le monde soit sauvé. Et le salut du monde dépend de ce que sont les chrétiens. Le Christ nous a sauvés.
L'acte rédempteur du Christ, dans sa nature même, il est accompli depuis, une fois pour toutes, sur la croix. Une fois pour toutes, Jésus, il est mort sur la croix. Mais il a voulu que ce salut qu'il opère sur la croix demeure éternellement pour nous. Et le jeudi saint, il a dit au prêtre, faites cela en mémoire de moi. Ce que je vais réaliser le vendredi saint, je le fais pour que vous puissiez le réaliser chaque jour. Pour que les hommes qui viendront demain, qui ne seront pas à la croix, puissent vivre de ma vie. Que cela transperce leur vie. Que cela les sauve et que cela fasse d'eux des enfants. Et voilà pourquoi il a institué des prêtres. Il leur a dit, faites comme j'ai fait. Il crée un rite, mais dans le rite, la seule chose qu'il dit, prenez et mangez, c'est ma chair. Prenez et buvez, c'est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Voilà tout ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit pour nous, pour notre salut. Ce salut, il va le réaliser sur la croix, définitivement. Mais moi, je vais y entrer maintenant. Le salut est là. J'y entre en communion, en aimant le Christ, en vivant de sa parole, en vivant de sa charité. Nous avons notre participation. Notre participation, c'est simplement de croire. Croire que Jésus est notre Dieu. Et crois qu'il nous a laissé un signe, le signe de sa présence. Crois qu'il nous a laissé ce signe pour que je sois un avec lui. Et lui-même, il a dit, mon Père est en moi, mon Père et moi, nous viendrons en vous, nous ferons notre demeure, pour que vous soyez en nous, et nous sommes, vous et moi, nous sommes un. Il veut que nous soyons un avec lui. Voilà ce peuple élu dont on parle, ce peuple élu, un avec le Christ. Qui se nourrissent de sa chair et de son sang et qui vivent de sa parole. Il se met à notre service à travers les mains du prêtre, à travers la bouche du prêtre, à travers la personne du prêtre. C'est lui qui se met à notre service pour nous attirer à son Père, pour que nous entrions dans ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est déjà réalisé et nous entrons là-dedans. Il faut donc croire pour avoir la vie, croire à la vie qui se donne. Alors mon frère Jacques, je conclue par toi. Je ne sais pas si ce que j'ai dit, le peuple de Dieu l'a compris. C'est ça qui est spécifique à notre foi chrétienne catholique. J'espère que vous avez compris. Jacques, tu continueras de toujours garder précieusement dans le fond de ton cœur cet amour jaloux pour ton Église. Tu chercheras toujours à la rendre plus belle et plus attirante par le soin que tu continueras de porter à sa liturgie chantée. Tu permettras à notre Église, à l'Église de Jésus-Christ, de célébrer son Seigneur d'une façon plus parfaite et plus digne à travers la divine louange qui lui sied. Alors, pour les 25 autres années, tu béniras le Seigneur en tout temps, car il t'aime. Tu garderas sans cesse à tes lèvres sa louange. C'est dans le Seigneur seul que tu auras ta gloire, non pas par un mérite quelconque, car c'est lui qui fait tout en toi, en t'y associant comme son intermédiaire, mais par pur amour pour un cœur qui s'offre à lui. Tu le sais toi-même, mon frère Jacques, les petits, les cœurs simples, les cœurs d'enfants, les bonnes volontés, les pauvres, les humbles seront toujours disposés à te comprendre, à t'entendre et seront toujours en fête. Fait.
sois toujours en fête avec eux. Oui, chers confrères, le Seigneur regarde les justes, ceux qui cherchent ce qui est droit, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Ce sont eux qui l'écoutent. Il est attentif à leurs cris. Tu seras l'un d'eux si tu pratiques l'humilité, car le Seigneur élève les humbles. Mais le Seigneur, comme tu le sais, s'oppose aux méchants et aux orgueilleux. Il efface de la terre leur mémoire. Oui, le Seigneur disperse les superbes. Tu ne seras jamais un superbe, ni un vaniteux, mais humble de cœur. Tu ne tiendras pas compte des méchants qui vocifèrent contre toi. Cependant, le Seigneur ne t'épargnera pas d'autres difficultés inhérentes à la charge de service de serviteur de Dieu pour les 25 autres années. Il y en aura d'autres, mais il sera toujours à tes côtés pour te raffermir, car il veille sur ton intégrité physique, ton identité spirituelle, ton équilibre moral pour une harmonie retrouvée. Alors tue le mal en faisant beaucoup de bien, car le mal tue le méchant, le vaurien, le jaloux, le paresseux, ceux qui haïssent les autres. Alors mon frère, le Seigneur te rachètera à la fin de ta vie, car en lui se trouve ton refuge et ton secours et ton salut. Alors, vis dans la joie. Vis dans la joie ton sacerdoce ministériel, ton sacerdoce de service jusqu'à la fin de ta vie, que je souhaite longue, enrichissante et sanctifiante. Joyeux anniversaire sacerdotal, joyeux jubilé d'argent, ad multos annos. Amen. À l'instant, l'homélie faite par Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous êtes en direct. Vous nous suivez en direct de la quasi-paroisse Saint-Thomas dans le diocèse de Yopougon, à l'occasion de la messe d'action de grâce du jubilé d'argent du révérend Père Jacques Agnès. Veuillez vous mettre debout. Frères et sœurs, professeurs notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je crois en un seul Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui
Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. Pour que le Seigneur appelle d'autres personnes à servir l'Église et à être des témoins vivants de sa joie et de sa paix. Prions pour que le Seigneur éclaire, guide et fortifie ceux qu'il appelle à lui consacrer pleinement leur vie sur le chemin de la vie sacerdotale. Prions pour tous nos responsables politiques, administratifs, militaires et coutumiers, que le Seigneur suscite en eux sa sagesse afin qu'ils puissent s'engager aux œuvres de paix, de justice, de réconciliation et de solidarité. Prions pour tous les nécessiteux de tout genre, que Dieu fasse qu'ils rencontrent des personnes de bonne volonté pour leur apporter soutien et réconfort. Prions pour notre communauté paroissiale et pour chacun de nous ici présents. Que le Seigneur nous aide à nous convertir véritablement, afin que nous soyons des êtres d'amour et de miséricorde. Écoute avec bonté les prières de ton peuple, Seigneur. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Passer la liturgie de la parole, nous arrivons à la liturgie eucharistique. Nous entrons dans la troisième partie de notre célébration, la liturgie eucharistique. Nous aurons à exprimer notre générosité à travers deux quêtes. La première qui a lieu maintenant nous invite à participer concrètement et personnellement à l'offrande pour le sacrifice de ce jour. À cet effet, les quêteuses viendront vers nous
et la quête spéciale et les dons destinés à l'élu du jour se feront après la prière post-communion. Some more.
Eye, Choba, 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 E
savon, savon. Savon, 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 vraiment. Ayez, chauvin, ayez, chauvin. Ayez, chauvin, ayez, chauvin, ayez, chauvin, savon. Tout vient de toi, ô Seigneur, et nos offrandes, ce que nous donne ta main. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Dieu fidèle, le sacrifice que nous venons te présenter. Regarde ton Christ à la voix, prêtre victime, en qui tu m'as fait prêtre. Donne-moi de m'offrir avec lui en offrande spirituelle à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance. Tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur.
C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, les sous-jeunes nos voix pour chanter et proclamer. Santo, 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 Domino Deus saint. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi.
présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean Salomon et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de manière particulière, de promotionner de Jacques décédé et de ses parents. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-la de ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les parrains et marraines de Jacques, de tous ceux ici présents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bénédiction Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, en nous espérant le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui
invitons au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Frères et sœurs ne peuvent s'approcher de la table sainte que ceux qui sont dans les dispositions requises, c'est-à-dire être au moins baptisé dans l'Église catholique, avoir fait sa première communion et communier régulièrement. Merci.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, téléspectateurs et internautes à l'Église TV, vous suivez en ce moment même, en direct de la quasi-paroisse Saint-Thomas de Yopougon, la messe d'action de grâce marquant le jubilé d'argent du révérend Père Jacques Agnès, curé. Prions le Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré les mystères de la foi. En cet anniversaire de mon ordination, accorde-moi dès chaque jour ce que je viens de signifier dans cette Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous parvenons maintenant au rite de conclusion qui seront marqués par une quête spéciale, la remise de dons, des allocutions, ainsi que la prière à la Vierge Marie. Le cœur avec lequel on s'approche pour faire l'action de grâce, c'est cela qui compte aujourd'hui. On va venir en dansant et non en marchant, frères et sœurs. Venu des paroisses de toute la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Vierge Marie, Mère de Dieu, tu es la plénitude de l'amour, l'offrande pure qui ne sait rien réserver, tu es le oui qui ne fut jamais rétracté, la réponse totale à l'amour infini. Vierge Marie, par ton oui, tu as changé la face du monde. Prends près de toi ce qui veut dire oui. Pour toujours. Tu sais le prix de ce mot. Fais que je ne recule pas devant ce qui exige de moi. Apprends-moi à le dire comme toi, dans l'humilité, la simplicité et l'abandon à la volonté du Père. Donne à ton Fils Jésus, demande à ton Fils Jésus que mes oui quotidiens servent plus parfaitement la volonté de Dieu pour mon bonheur et celui du monde entier. Vierge Marie, Mère de miséricorde, je confie à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre ivoire. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort
et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, c'est le moment des allocutions. Nous en aurons trois. D'abord, le comité d'organisation. Ensuite, Monseigneur Donatien, vicaire général du diocèse de Yopougon. Et enfin, le Père Jacques Agnès, l'élu du jour. À présent, le représentant du comité d'organisation, Monsieur Doa Jean. Éminence, nos pères évêques, Excellence, nos pères évêques, Excellence, nos seigneurs, Révérend Père, Révérende Sœur, chers invités, amis et connaissances, frères et sœurs en Christ, au moment où nous allons allègrement vers la fin de cette grande cérémonie jubilaire de haute portée spirituelle pour notre communauté de la paroisse Saint-Thomas-Apôtre, nous voudrons vous exprimer, vous témoigner notre infinie gratitude pour votre participation, votre présence parmi nous pour célébrer le révérend Père Jacques Agnès, cet illustre serviteur béni du Dieu vivant, pour ses noces d'argent au service de notre Seigneur, ce Dieu que nous voulons servir. Nous voulons dire merci à toutes les commissions qui ont travaillé, la liturgie, les finances, les ordres, l'ordre, la sécurité, toutes les bonnes volontés qui ont animé ces différents services pour travailler à rehausser à l'éclat de cette belle cérémonie. Excellence le Seigneur, nos pères et nos sœurs, notre joie est grande et le souvenir de cette cérémonie, avec votre présence, restera à jamais gravé dans nos cœurs et dans nos esprits. Demeurez infiniment bénis.
Enfin, que le Dieu de tendresse et de miséricorde qui a conduit vos pas sur cette paroisse demeure avec vous au retour dans vos différentes localités, vos différentes paroisses, et qu'il vous épargne tout incident, tout désagrément. Merci à tous et à chacun. Je vous remercie. Monseigneur Donatien Nguessan-Lilo, vicaire général du diocèse de Yopougon, représentant Monseigneur Jean-Salomon Lozutier, évêque de Yopougon. Je voudrais implorer votre clémence et votre indulgence et prier le Père Jacques de me faire l'honneur d'exécuter avec moi ce chant. La chorale va nous accompagner aussi. Seigneur, je te porte au fond. Tu connais ça? Vas-y, chante. Seigneur, je te porte au fond de mon cœur et mon âme est remplie de joie. Seigneur, ta présence est mon réconfort. Que craindrai-je, Seigneur, avec toi? Merci à vous pour l'indulgence. Révérend Monseigneur Jean-Baptiste Akwada, chapelain de sa sainteté. Monsieur le ministre Albert Kakoutiapani, ici présent. Révérend Père Woïnin, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Révérend Père, vénéré frère, révérendes sœurs, chers frères et sœurs dans le Christ, au terme de cette célébration eucharistique riche en grâce, marquant le jubilé d'argent du révérend Père Jacques, j'ai l'honneur de vous transmettre les salutations les plus paternelles de Son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lozutier. Les salutations et bénédictions particulièrement à l'ensemble des prêtres jubilés présents aux côtés du Père Jacques. Ces salutations et bénédictions particulières et spéciales au Père Jacques. Célébrer le jubilé, c'est proclamer la fidélité de Dieu à son alliance et à ses engagements. C'est célébrer la sollicitude paternelle de Dieu et célébrer le jubilé, c'est témoigner de la vérité et de l'actualité de la donation totale du Christ, sans tricherie, à fond, sans réserve, la donation totale du Christ au Père, comme offrande pascale. C'est célébrer la vérité, l'actualité et l'efficacité du sacrifice expiatoire et libérateur du Christ. Célébrer le jubilé, c'est témoigner de l'action vivifiante et fortifiant de l'Esprit Saint dans l'Église. Célébrer le jubilé, c'est marquer son émerveillement devant les merveilles de Dieu sous nos yeux, dans la diffusion à profusion de ses grâces dans nos vies. C'est marquer à Dieu notre gratitude. C'est marquer à Dieu notre volonté, notre détermination, notre engagement à le servir avec abnégation et dévouement. Révérend Père Jacques, merci pour votre oui à Jésus, l'unique prêtre. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'exprimer à Dieu notre reconnaissance. Merci à tous pour tant de générosité. Révérend Père Jacques, de la part de Son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lozutier, je voudrais vous exprimer à vous de façon particulière
les vœux d'un ministère sacerdotal joyeux, fructueux et fécond. Bonne fête à tous et à toutes, que la fête soit magnifique. Nous appelons le Père Jacques pour son mot. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. On m'a poussé, bousculé. Chantons ensemble. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Jean-Baptiste Aquadon, révérend père, révérende sœur, frères et sœurs, vous êtes venus nombreux, vous m'avez ouvert votre cœur et vos bras, vous m'avez soutenu dans mon sacerdoce, vous m'avez donné de votre confiance et de votre argent. Je vous dis à tous merci. Biaro, Nansa, Nancy, Ndiassole Poko. En mon proie, Miaomo Fokoyana. Merci à la délégation qui représente le président Phi. Je lui dis merci. Merci au président Bédier. Merci au premier ministre Patrick Hachi, qui a travaillé avec moi à Zopé, bien sûr, qui était le parrain de ma chorale d'Azopé. Merci au ministre Thomas Camara, représenté par son chargé de mission, M. Gabriel Touré. Merci à Madame Bois Georgette, merci à chacun. Quiconque donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en qualité de disciple, en vérité, je vous le déclare,
et ne perdra pas sa récompense. Mon Seigneur, merci. Révérend Père, merci. Révérende Sœur, merci. Chers frères et sœurs, merci, merci et merci. Que la Sainte Vierge Notre-Dame de Fatima veille sur nous, sur toutes les familles et sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Veuillez vous mettre debout pour la bénédiction solennelle. Nous sommes toujours à la Après chaque invocation, à nous répondrons Amen. Au quartier Académie Résidentielle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse. Qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attaché à faire le bien. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme je vous le disais à l'instant, nous sommes toujours à la quasi-paroisse Saint-Thomas, dans le diocèse de Yokoubon, précisément au quartier Académie Résidentielle. Et nous avons assisté à la messe d'action de grâce du jubilé d'argent sacerdotal du curé de cette paroisse, le révérend père Jacques Agnès, qui a vu la participation de plusieurs confrères dans le sacerdoce ministériel, en l'occurrence Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon, chapelain de sa sainteté, Monseigneur Vincent Lillo, Donatien, vicaire général à diocèse de Vieux-Couron, le révérend père Emmanuel Wainin, secrétaire général de la conférence de l'Église catholique de Vieux-Couron, son prêtre de diocèse de Vieux-Couron, venus soutenir le frère, également présente les sœurs et les religieuses de diocèse, les membres de la famille de l'Église, ont spécialement effectué les placements venus de Condat. Paroissiens également vêtus d'un pagne à confectionner pour l'occasion ont prié de leur présence à cette célébration eucharistique qui touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été des nôtres et excellente journée dominicale à tous et à chacun. Ce direct a été possible grâce aux efforts d'une équipe de production, à la technique réalisation, Jean-Yves Catherine Charlotte Boileau, Frédéric Monnier. Soit grand,